Salut à tous, c'est Félix et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo sur Final Fantasy 4 pour un guide interactif. Aujourd'hui, nous verrons comment les mécaniques de jeu se feront ainsi que comment gérer les nuits en particulier. Notez qu'à gauche de cet écran, il y a des choses que nous aborderons dans cette vidéo. Mais bon, si vous voulez, c'est pas grave. Nous verrons déjà les architectures de la maison et les mécaniques de jeu. Ensuite, nous verrons de la manière la plus facile comment gérer les nuits 1 à 4. Nous parlerons ensuite de la cinquième nuit avec Fredbear. Donc voilà, tout de plus. Et pour finir, nous parlerons de la sixième et la septième nuit. Je ne parle pas volontairement de la nuit cachée, étant un secret que je laisse à découvrir. Donc je laisse une part de mystère. Mais sans plus attendre, c'est parti. Architecture de maison et mécanique de jeu. Voici votre chambre et vous serez ici en permanence. Donc voilà votre personnage que voici. Y trouvera en permanence et il y a un couloir et une cuisine. Votre personnage au début de chaque partie se trouvera ici et dans cette vidéo, ce que j'appellerai votre point de chute. Il pourra aller à ces quatre endroits: à la porte de gauche, à la porte de droite, à l'armoire en face de lui ou de regarder derrière sur son lit pour vérifier. Notez bien que ce déplacement prend plus ou moins de temps. C'est un temps qu'il ne faut pas négliger lorsque plusieurs animatroniques viendront vous déborder. Vous pouvez éclairer, mais éclairer à chacun des endroits sera une bonne ou une mauvaise chose, en fonction des bruits que vous entendrez. En plus, il grandement, fortement conseillé de jouer avec un casque de manière à pouvoir entendre les bruits des animatroniques. J'en ai fait des effets, croyez-moi. Évidemment. Mais bon, à ces portes, il vous est possible de fermer temporairement ces portes. Maintenant, une touche enfoncée. Cette action peut retarder votre mort ou l'accélérer si vous interprétez mal les sons. Mais c'est tout de même indispensable de gérer les portes, car c'est important. Nuit 1 à 4. Dans les 4 premières nuits, vous aurez affaire aux 4 animatroniques préférés: Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Foxy n'apparaît qu'à partir de la nuit 2. Et donc voilà. Commençons par Bunny. Il arrive systématiquement par le couloir de gauche. Il a 3 stades d'avancée: hors de vue, dans l'angle et juste à côté de la porte. Quand il est dans le couloir, le haut, il est inaudible. Ça sert à rien d'aller voir ou d'aller éclairer. Quand il se déplace en faisant des bruits comme ça, des bruits de pas, on peut s'approcher de la porte. Mais attention, il faut écouter pendant minimum 3 ou 4 secondes. Sinon, c'est pas très bon. Vous pouvez éclairer si vous le décidez. Et si vous avez vu juste, vous l'aurez vu se retirer dans l'angle. Donc voilà. Notez bien que si vous entendez une respiration, fermez immédiatement la porte. Et maintenez-la fermée. Ça veut dire que l'animatronique est juste devant la porte. Vous devrez entendre pendant faire des bruits de pas qui s'en vont. L'animatronique qui s'en vont. Vous devrez alors revoir la porte et éclairer pour vous assurer que l'animatronique est bien partie. Si vous éclairez alors que Bonnie est juste devant la porte, c'est le jumpscare assuré. Si vous ignorez le fait que Bonnie est devant la porte et que vous faites d'autres actions ailleurs, il y a de très fortes chances ça s'augmente avec la difficulté, qu'il s'entre dans la chambre et qu'il
déclenche son jumpscare au moment où vous arrivez à tourner à votre point de chute. Continuons avec Chica. Elle est similaire à Bonnie, mais elle possède 4 stades d'avancée. Hors de vue, dans l'angle et devant la porte, elle peut aussi être dans la cuisine. Évidemment, si elle est dans la cuisine, vous l'entendrez au même titre de Cadafalque à Freddy's promis du nom avec des bruits de vaisselle. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin de gérer Chica ou d'aller voir ou d'aller éclairer. Évidemment. Ça, c'est très bien. Passons maintenant à Freddy. Il agit un petit peu comme la boîte à musique dans Five Nights at Freddy's 2. Des mini Freddy pourront alors apparaître sur le lit. Il faudra retourner régulièrement pour pouvoir faire sur le lit pour aller voir fuir ces, pour faire fuir ces mini Freddy. Parce que sinon, c'est pas très bon. Et quand 3 mini Freddy seront sur le lit, il restera très peu de temps pour pouvoir les faire partir. Ça, c'est Freddy en personne qui viendra déclencher son jumpscare. Si vous pouvez aussi entendre les mini Freddy avec l'aide à l'aide d'un son bien particulier que si vous avez déjà entendu. Très simple. Bon, je suppose que vous avez peut-être compris. Mais bon. Dans tous les cas, on continue. Continuons avec Foxy. Foxy n'apparaît qu'à partir de la nuit 2. Il apparaît dans le haut du couloir. Vous pouvez l'entendre aller de gauche à droite ou de droite à gauche si vous portez un casque. Vous pouvez le faire fuir d'un angle, mais son objectif n'est pas de vous attaquer depuis une porte. Lorsque vous serez un peu trop occupé à gérer les autres animatroniques, ce petit renard rusé ira se faufiler dans l'armoire en face de vous. Il va se mettre sur un côté et il va prendre une et il faudra le repousser parce que sinon c'est la mort. Mais donc, il va falloir le repousser avec la lampe de poche. Car évidemment, sinon vous ne voulez pas qu'il vous attrape. Plus vous maintiendrez la lampe. Et donc, il possède 4 positions. Une vue sur sa tête, une vue sur son torse, une vue sur ses jambes et une fois transformé en peluche. Plus vous maintiendrez la porte de l'armoire fermée, il va prendre la posture calme, entre guillemets. Donc voilà. D'ailleurs, sachez que si vous ne vous occupez pas de Foxy, ils peuvent vous atteindre. S'ils vous attrapent, quand vous tournez à votre point de chute. En résumé, il faudra pour les 4 premières nuits. Être de plus, il faudra gérer les priorités. Mais il sera parfois plus mais parfois il sera plus stratégique de ne faire changer Foxy que de une ou deux positions. Parfois le temps d'aller repousser Bonnie de la porte, par exemple. Les sons ont une importance capitale dans le jeu et représentent 80% des mécaniques de jeu. D'ailleurs, il faut savoir que si vous maîtrisez ces 4 premières nuits, préparez-vous au pire. Car nous allons maintenant aborder la 5e nuit. Et c'est parti. Nuit 5. La 5e nuit est complètement différente. En effet, seul Fredbear y est. Il sera capable d'occuper les 4 positions auxquelles vous êtes habitué. Comme pour Foxy, il fait des bruits de pas lourds et rapides. Surtout dans le couloir, en haut, dans le couloir, de droite à gauche à droite ou de droite à gauche si vous portez un casque. D'ailleurs, attention, Fredbear est attiré par la lumière lorsqu'il est dans les couloirs. Ne l'éclairez jamais plus d'une fois. L'idéal est de ne jamais l'éclairer quand il est dans les couloirs. L'idéal est de jamais et de juste fermer les portes. Ça donnera quelque chose comme ça. Repérez-le donc au son. Mais comment diable
Est-il possible de savoir s'il est dans notre armoire ou dans l'armoire ou sur notre lit? Lorsque vous entendez rire de cette manière, il faudra que vous soyez très réactif. S'il est sur le lit, éclairez-le jusqu'à ce qu'il s'en aille. S'il est dans l'armoire, fermez la porte jusqu'à ce que vous entendez des bruits de pas. Ça donnera quelque chose comme ça. Le plus dur dans cette cinquième nuit, c'est d'anticiper la vitesse de Fred Bear. Mais il sera à un endroit déjà où que vous soyez déplacé dans le couloir opposé. Ou soit qu'il sera parti à un autre endroit déjà. Donc en résumé, cette cinquième nuit est très difficile. Maintenant, abandonne la sixième et la septième nuit. Nuit 6 et 7. Les nuits 6 et 7, en plus d'avoir une difficulté à relever, de minuit à 4 h du matin, vous aurez Freddy, Bonnie, Chica et Foxy à gérer. Mais à partir de 4 h, elles disparaîtront toutes et laisseront place à Fredbear. Il faut savoir qu'à partir de 4 h du matin, il faut changer sa stratégie. Sinon, ça ne sera pas très bon. Il faut savoir que Nightmare, dans la septième nuit, est un poil plus agressif que Fredbear. Et ça n'a pas d'importance. En résumé, mais en résumé, la sixième nuit et la septième nuit ne sont que des challenges de réactivité et aussi des difficultés, parce que il faut savoir que c'est plutôt difficile. Voilà, ce petit guide interactif est maintenant terminé. Si vous voulez revoir de la vidéo, n'hésitez pas à partager et aussi à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et aussi activer la cloche et mettre des pouces bleus. Je vous dis à très bientôt. Ciao!